bienvenue dans la deuxième partie de ce Debug Mode consacré au deuxième déménagement de No Life. Voilà, pour l'occasion, on étreint les nouveaux escaliers des nouveaux locaux de No Life qui sont magnifiquement décorés. Le déménagement continuait. Le samedi après-midi, la plupart des choses étaient déjà déménagées, mais il restait encore beaucoup d'objets. Ce qui se passait, c'est qu'on a fait beaucoup de tours de camion. Je crois qu'on en a fait facile 7-8 au final. Et il y avait deux équipes, donc une équipe qui était dans les anciens locaux à Château d'Eau pour charger le camion, et une autre équipe dans les nouveaux locaux qui déchargeait le camion puis qui essayait de trier tant bien que mal les affaires, même si c'était un peu compliqué avec la quantité de carton qu'il y avait. Attention à les figurines de Cyril, c'est très important. Oula, ils sont super fragiles. C'est les deux sont derrière, il faut soulever l'avant. Non, ça c'est il va falloir descendre dans les deux marches. Alors pour ce déménagement, on était vraiment très nombreux. Il y avait des gens de No Life évidemment, mais il y avait aussi des modérateurs du forum qui étaient venus, des amis qu'on connaissait qui étaient là aussi, il y avait des gens de l'équipe de Costume Player, etc. Cyril, t'es passé. Voilà, il y avait tellement de monde que parfois, moi j'arrivais avec le camion, c'est moi qui conduisais, puis je voyais les gens qui attendaient, qui étaient un peu désemparés parce qu'ils avaient déjà mis à disposition plein de cartons, puis ils attendaient que j'arrive pour le charger. Voilà, mais ça a aussi facilité les choses puisque tout est allé très vite. Et il y avait vraiment beaucoup de choses à faire. On était un peu dans le speed parce qu'il fallait qu'on reprenne vite la production, donc il fallait que tout soit déménagé le samedi pour que le dimanche on puisse tout remettre en place et que tout soit fonctionnel pour lundi. Donc c'était vraiment très tendu. Mais le samedi on y est arrivé, au final tout a été déménagé et on était bien contents même si on était très fatigués.